Ouais, moi aussi je l'attends. Moi aussi je l'attends. Mais ça fait 1 heure là, il y a le show qui doit commencer. Je sais pas quoi dire moi. Bah oui, attends, une seconde. Ouais, vous cherchez Fernando, ouais, aussi, ouais. Bah écoute, moi je m'avais donné rendez-vous pour le show, tout ça. J'ai même sa chemise. Là, il doit être encore à la plage, en train de draguer. Toujours pareil, quoi. Bah oui, ouais, attends. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, mais écoute, il est pas sérieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà, c'est tout. Ouais, non, je te parlais pas à toi, non. Non, attends, à tout à l'heure. Oh là là, ouais, ok. Bon, allez. Oui, d'accord, j'attends, ça va. Bon, ben, à bientôt. Ok. Bon, ben, en attendant Fernando, c'est le Fernando Rock Show. Que Magnum, tu sais, le... Super plaisir d'être ici avec toi. Ah ouais, moi aussi, c'est super cool que tu sois là. Même si on t'a attendu pendant 1 heure, donc bon. Sais ce que c'est, la Rivonzesse, la plage, quoi. Ouais, mais j'ai eu le temps d'apprécier le décor. Ouais, t'as vu un peu. C'est des belles photos avec des bons artistes, là, quand même. Ouais, tu as des potes, ouais. Cool, super. Bah ouais. C'est d'avoir des bons souvenirs, là. Ah, tu as des bons souvenirs. Ouais. Et toi, comment tu vas alors, la plage? Bah écoute, ça va, je suis super content que tu sois dans le show. Et ils sont où les autres? Ben cool, les autres ils sont à la plage aussi. Ah d'accord, bonjour. Eh, ça bosse hein, c'est super. Ouais, ben écoute, c'est le week-end donc tu vois, il faut un peu se détendre, tout ça quoi. Ah. Eh, tu nous présentes le groupe? Ben bien sûr, donc il y a la batterie, il y a Aurel. Aurel à la batterie, il y a Didier Dubosc à la basse. Ah je connais, c'est le bassiste qui est charcutier. Pas exactement, non. Il dit plutôt Luthier. Ah Luthier, d'accord, excuse Didier, excuse. Ça finit pareil, mais c'est pas bah ouais, tu vois, je savais pas trop. Voilà, il y a aussi bien sûr Olivier Spitzer et Philippe Calfon là, au guitare. Attends, Radim. Olivier Spitzer, et il joue dans Stataxe. Ah bah ouais. Et tu vois, je connais, hein, c'est la culture. Ah ouais, tu connais beaucoup. Ah bah ouais. Voilà. Et l'autre, c'est Philippe Calfon, qui joue avec. Il joue avec Stratagème, Big Ben, entre autres. Oulala, là là, et Rosicos. Et Superfizz, d'ailleurs. Ah, et super, normal. Et super guitariste, super bassiste et super batteur. Ah écoute, ouais, hein, je pense qu'il y a pire. Ah, et le batteur, c'est un extraterrestre. Ouais, ouais, il vient de la planète Mars. Ouais, et il a des mains à la place des pieds ou quoi? Et j'ai écouté l'album, ça sonne terrible. Ah ouais? Ouais, j'adore. J'adore ta voix, j'adore les chansons. Ça défonce. Ah, parce que t'as du goût. Ah, normal. Et tu me racontes un peu ton parcours? Mon parcours musical. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait des tas de trucs en fait. Ouais. Moi je t'ai vu dans un truc à Paris. Ça s'appelait. C'est peut-être une comédie musicale là-bas. Bah ouais. Ouais, mais c'est Notre-Dame de Paris. Et ouais, je voulais te souffler, mais. J'ai fait le Quasimodo. Yeah! Pendant un an et demi. Cool! Voilà, t'as de Mogador en tournée, tout ça en France. Hein. Yeah.
Voilà, puis après j'ai fait deux albums solo. Ah, deux albums solo quand même quand. Et les mecs, deux albums solo. Et puis Superfils, une comédie musicale. Et alors, ça déchire ça. Bah là, on essaie de s'amuser comme on peut. C'est normal. Ah. Il est beau ton micro quand même. Ah, t'as vu? C'est bien, hein. Ah, c'est un micro de pro, hein. Tu chantes aussi? One, two, check, check. Non, non, je chante pas, je chante pas. Moi, j'aimerais que tu me fasses un titre. Ah, bah tout à l'heure, l'acoustique, je pars si tu veux. Ah, d'accord, ouais, ok. Ouais, attends, Marc. Il t'attendait justement. Oui, il est à la plage, je crois. Ah, allez, j'ai vu Olivier Spitzer à la plage, il y a Philippe Calfoun, il était au bar. Ah bon? Ah, ouais. Il ne boit pas d'habitude. Bah écoutez, les mecs, il a demandé, hein. D'accord, bon. Hein, tu m'en parles un peu d'album? Combien de titres? Là, sur l'album, donc, on a sorti un album en mai 2011, il y a 14 titres. Ouais, je l'aime. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Le long des villes, et puis il y a plein de super titres dessus. Ouais, super titres, ouais. Et tout, c'est génial en fait. Je conseille à tout le monde de... Ouais. De la... D'ailleurs, t'as bien... Tu l'as, vas-y, vous prenez les caméras, vous prenez. Voilà. Et regardez les mecs, un album de hard rock, voilà. Rock'n'roll. En français. En français. Pas si évident que ça. Ouais, alors. Et donc, on l'a sorti en mai 2011. Ouais. Et depuis, donc, on a fait pas mal de dates. On a joué notamment au Divan du Monde, au Bateau Phare. Ouh, à Paris. Paris, ouais. Yeah. À Fizz, notamment. Fizz, yeah. Avec le groupe Steel Square. Ah, ouais. Pas mal, pas mal, c'est bon. Ouais, bah, je connais, ouais. Et il est venu dans le show, le chanteur. Ah ouais. Ouais. T'as de la chance, tu reçois plus du beau monde. Tiens du gratin. Tiens du gratin. Voilà, donc c'est un album toujours en vente chez Brennus Music. Eh, salut, la Richard de Brennus. Et donc, dans nos concerts, quand on fait une date, bien sûr, on peut trouver. Et vous avez un clip? On a un clip, bien sûr, on a même trois clips. Waouh! Super production! Ah ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Yeah! On se regarde à vous les clips? Très volontiers. Le clip de Superfils! Yeah! Le clip! C'est chaud, hein? On retourne à la plage? Un jour d'avril, le cœur si lourd. Tu rêvais de matin, plus beau que celui-là. Juste une vie pour l'amour, c'était trop court et si fragile. Tu aidais ton prochain, ton combat était là. À genoux sur le sol, les pieds et poings liés. Le cours de tes paroles et t'a jamais bafoué. Et ta voix tombe dans le silence, condamnée à l'oubli. Devant ces quatre murs qui dansent, ce compagnon de déni. Et ta voix tombe dans le silence, prisonnière en sursis. Des années de souffrance dans ces villes où l'espoir demeure interdit. Tu penses
pensais que les mots, les idéaux changeraient tout ça. Un vent de liberté soufflait dans ta lumière. Mais tous ces grands soldats t'ont laissé là, dans ce ghetto. Tranquille comme vous. Non, c'est pas tranquille, mais nous ici on fait un autre rock show, ça nous plaît. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Yeah. C'est clair, j'aime la musique. Ouais. Ouais. Pierre, un site internet. Alors, ben, on peut nous trouver sur Facebook, bien sûr, Superfizz. Et on a aussi un site, et ça doit être normalement superfizz.fr. Superfizz.fr. Voilà. Superfizz. Ouais. On peut trouver toutes les infos, les clips, les extraits live, parce qu'on a pas mal de... Yeah, y a quoi comme extrait? Le Vivant du Monde? Ouais, il y a le Vivant du Monde, Battle Far, Fism, Pacific Rock, enfin de partout on a joué. En fait, cool. Alors, on peut se faire une idée du groupe en live. Yeah. Alors, on peut aller sur YouTube ou sur les Facebook et les sites du groupe. Ça marche. Voilà, allez-y, c'est très bien. Hey, super Pierre. Oui. Vous avez déjà joué en Corse? Ah bah écoute, non. Alors, pas encore. Pourquoi? Mais, bah écoute, il n'y a pas trop de festivals ou de spectacles hard rock en Corse. Ouais, mais alors les Corses, on va peut-être inviter des groupes. Ça commence à venir. Des groupes de hard rock. Je crois qu'il y a un festival qui se fait cette année justement. Ouais. Donc c'est bien, mais bon, on n'a pas eu l'occasion de jouer encore. Mais... Ah, ça va venir. Et sur scène, vous avez des explosifs? Ouais. Ça plastique un peu sur scène ou pas, super film? Bah écoute, on n'a pas les moyens en fait d'avoir des explosifs, donc on reste sobre, tu vois. Sobriété égale bon goût. Voilà, sobriété, efficacité. Efficacité, ouais, l'album est très efficace hein, quand même. Mais ouais, il n'est pas sobre non plus. Mais bon, ne jouons pas sur les mots. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai une question de Tommy. Je te lance la vidéo, il va te poser une question, d'accord? Ok, ouais. Bonjour Pierre, Tommy du Fernando Rock Show. Dis-moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête et j'en profite que les autres soient à la plage pour te la poser. Quel morceau aurais-tu aimé écrire parmi tous les grands classiques du rock'n'roll? Voilà, c'était ma question, recommande vôtre. Tommy pour le Fernando Rock Show. Qui a ma serviette? Qui a ma serviette? La serviette, les amis. Alors Pierre, qu'est-ce que tu penses de cette super question de Tommy? Bah, c'est une très bonne question. Franchement, moi, j'aurais rêvé d'écrire T'as le loup coco de la Roche Valmont, quoi. T'as le loup quoi? T'as le loup coco de la Roche Valmont. Tu déconnes bien ou quoi, là? Non, oui, bien sûr, t'es quoi. Ah, d'accord. Ouh, elle est chaude. Non, alors, sérieux. Pour parler franchement, un titre d'ACDC. Lequel? Bon, il y a tellement... Mais quel mec? Non, je dirais peut-être Wallow Tarosi. Ah, Perriam Bon Scott. Ouais, bonne soirée. Monsieur, t'es un connaisseur. Ah, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Ouais, et en parlant de qui t'a marqué, vas-y, quand t'étais plus jeune, et je pense que tu sois vieux, hein, mais quand t'étais un peu plus jeune, premier disque acheté, c'était quoi, les premiers 33 tours? Parce qu'à l'époque, on avait les 33 tours. On l'achetait, nous, les vinyles. J'adore les vinyles, en fait. Ah ouais? C'est génial. Hein. Vas-y, les premiers, vas-y. Ah, les premiers, disons que c'est pas trop du rock, parce que comme j'étais gosse, donc je dis... J'ai écouté des trucs comme Goldorak. Goldorak. Tu connais quand même Goldorak. Goldorak, comment fais-tu en point? Ouais, c'est ma génération. Voilà. Bah, j'étais enfant. Ouais. Mais disons qu'après, j'ai commencé à écouter des trucs un peu plus sérieux. Vas-y. Comme les Pink Floyd. Yeah. Et j'ai eu vraiment une révélation à la musique avec le groupe ACDC. Normal. Voilà, comme c'était des vinyles de mes parents, justement. Waouh. Et Power Edge, Back in Black. Ah, j'adore Power Edge. Ça, c'est pour moi, super c'est mon album. C'est mon album préféré. Ouais, culte, culte. Voilà, donc là, j'ai vraiment pris une grosse gifle, disons. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est groupe ACDC, ça m'a vraiment... C'est grâce ou à cause de ACDC que je fais de la musique. D'accord. Et des groupes français, peut-être? Je suis artiste français, non? De rock, moi, j'aime bien Nord Désir. Ah, normal. Nord Désir... Oh, qu'est-ce qu'il y a pas trop d'idées en français. Ouais. L'artiste corse.
La Two Fingers, bof, ouais, c'est pas trop... Ah, c'est laissé quand même. Ah, c'est laissé. Motorhead, Kiss. Motorhead. Ouais. Voilà, j'adore Motorhead. Les Doors. Les Doors, ça m'a beaucoup marqué. Ah, Morrison, fan de Morrison. Ouais, ouais. Ah, pas mal, ouais. Pas mal. Enfin, ouais. J'aimerais bien notamment, il est possible que je fasse un tribute... Vas-y, raconte ça. Oulala, gros dossier, les gars, gros dossier, oui. La ferme de Rocho. Oui. Raconte-moi, dans l'oreille. Une exclusivité. Dans l'oreille, attendez. Ben, il est possible que je fasse un tribute de Doors. Voilà, parce que ça fait des années que ça me trotte dans la tête. Et puis voilà. Mais super info ça, super info. Ouais, en voyant des amis, notamment du groupe War Machine, qui est un tribute à CDC. Ah d'accord, War Machine. Ouais, super tribute. Ouais. Donc ça m'a vraiment aidé à franchir le pas. Et puis je monte un groupe. D'accord, ça, donc gros projet. C'est un projet parallèle à Superfizz. Ah, ça c'est vachement sympa de nous faire l'exclure. Super, ouais. Merci Pierre. De rien. Dis donc Pierre. Ouais. Tu sais qu'on va bientôt se quitter. Déjà. Ouais, ça passe vite. Puis après tu sais, il y a Max qui vient, puis il y a Jimmy qui vient après. Ah, toi tu viens. Ouais, parce que normalement, tu m'as laissé un message sur mon portable. Ouais. À la plage, quand j'étais avec tes gonzesses, tu m'as dit, je ferai un show acoustique avec Max, c'est vrai? Bah écoute, je peux chanter une chanson. Ah bah tu nous feras ça tout à l'heure, parce que moi je vais retourner à la pêche parce que elle est super blonde. J'ai dit que je te connaissais, vois quoi, j'ai été obligé un peu de... Ouais, tu fais bien. Ah tu vois quoi. Je te ferai croquer si tu veux, cousin. Ah bah vas-y. Ah c'est au tourné les gars. Ouais donc, avant de se quitter, j'ai toujours rêvé, moi, d'avoir une grosse voix comme toi. Ouais. Avoir tous les deux, tu dises... Avant de se quitter, on crée ensemble rock and roll. Mais c'est toi qui le dis, moi je mime. Fort. Ah, moi j'ouvre la bouche mais je parle pas. Alors à trois. Un, deux, trois. Rock and roll, yeah. Wouah, rock and roll, allez salut les mecs. Je te laisse avec Max et Jimmy. Moi je retourne à la plage. Plage tu ramènes tes serviettes. Allez salut. Salut Pierre. Ouais, à bientôt. On se retrouve à la plage. Ouais, je vais chercher Philippe, il est tombé et j'ai vu Olivier, il était sur le plongeoir. Ouais. Il a kitesurf et Didier, il est en train de se faire bronzer, mais lui, je crois. Je vais chercher mon string déjà. Ok, allez, ciao, à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. À toi. Eh, hey, bonjour, non, Pierre. Bonjour. Ça va? Bonjour, non. Ouais, parle au corseau. Si, un peu. Ah, est-ce la primavera de Fernando Rock Show? C'est un peu italien ça. Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Moi je suis pas allé en Corse encore, j'ai pas eu la chance. Ah, il faut y aller, c'est bien. Ouais. Et t'es d'où en Corse? Moi je suis né à Bastia. Bastia. Ouais. Qui remonte d'ailleurs en première division. Et ouais, on a suivi le championnat, et ça c'est cool. Ouais. Et j'en reviens de la plage, j'ai vu Olivier et Philippe, ils étaient en train de faire un feu de camp avec les guitares. Ah, ça commence à draguer. Ça fait de quand, il y a Hugo Frey aussi. Ah, bah alors ça, je sais pas, mais en tout cas, il y avait déjà deux guitares, puis il y a plein de gonzesses. Ah ouais? Bah ouais, mais on finit l'interview, puis après on y va. Il y a Fernando qui est allé alors. Ah bah, tu penses, Fernando, il est toujours dans les bons coups. Ah là, mais ça, alors c'est... Ouais, et dis donc, Pierre. Oui. T'as ramené des cadeaux? Ah, est-ce que tu m'as ramené Lonzo? Lonzo, non, ouais. Mais je t'ai amené autre chose, en fait. Vas-y, fais voir. Donc, ouais, je t'ai amené le disque du groupe. Waouh! Voilà, je l'avais pas, génial! Le disque c'est pour toi. Ah, oh, c'est super sympa, Pierre. Voilà, on trouve aussi des t-shirts. Ouais. Mais je te l'amènerai la prochaine fois. Et t'as des petits t-shirts pour moi? Ouais, il y a toutes les tailles. Ouais, toutes les tailles, ça c'est cool. C'est génial. Et vous enlevez ça combien? Ben, dans nos lives, on fait le disque à 10 euros. Et 10 euros, c'est pas cher. Hein. Bon, les t-shirts aussi. Donc, cool, cool. Voilà. Ah, ça c'est chouette. On sait que les temps sont durs, donc on bastonne pas les prix. Ouais. Eh, dis donc Pierre, ouais. C'est où je pourrais venir acheter un t-shirt sur un concert? Vous avez des concerts de prévu? On a des concerts de prévu, balance. Ben, bientôt, donc ouais. On joue le 14 septembre au De Grappe d'Or à Gentilly. Ouais, le 14 septembre, ça c'est bien. 14 septembre. Ouais. Le 6 octobre au Pacific Rock à Cergy. 6 octobre au Pacific Rock à Cergy, ça c'est bien aussi, j'y serai. Et après et le 17 novembre au Covent Garden. Covent Garden. À Erani. En 95. Voilà. Bon, bah tout ça c'est bien. Nombreux. Cool, ça c'est bien. Je serai là, je serai là.
Tu mettras tes chambres de côté? Ouais, pas de problème. Ça, c'est cool. Même deux. Ah, génial. Et dis donc, en parlant de tournée, est-ce qu'il y a un groupe avec lequel tu aimerais bien partir tourner? Bah, il y en a plusieurs. Hein, vas-y. Ben, ACDC, hein, comme je disais, j'aime beaucoup. Motorhead, ouais. Kiss. Et tu te maquilles un peu, toi, ton Kiss? Ah oui, tous les soirs. Mais, d'accord, et parce que tous les mecs de Superfils, ils se maquillent? Ah oui, c'est notre truc en fait. Ouais. Hein, c'est, Vous êtes démaquillés alors? Voilà, là oui, quand on vient au Fernando Rock Show, on se démaquille, mais sinon, d'habitude, on est maquillé. Hein. Bon, bah les gars. Pensez pas trop sur le maquillage quand même. On est pour Jartel aussi. Ah d'accord, et vas-y, t'as des dossiers là-dessus, tu pourrais balancer. J'ai plein de dossiers là. Tiens, parlons de dossiers, dis donc Pierre. Oui. Est-ce que t'aurais une question pour les gars de Superfils, un truc que t'aurais voulu leur demander, mais que t'as jamais osé leur demander, tu vois, ce genre de question C'est pas facile, parce que j'ai posé toutes les questions, mais... Bah vas-y, une question qui dérange, tu vois. La question, Fernando, tu vois. Je dirais, pourquoi... Pourquoi faisons-nous des slows? Faisons-nous des slows. Et pourquoi on fait des slows? Et ça, c'est pour draguer les gonzesses? Ouais, mais bon... Ah, d'accord. Bah, tu vois, ils sont à la plage, à mon avis, ils sont en train de faire un slow gonzesses, là. Mais bon, moi, tu vois, j'ai des slows... Ouais, et dis-nous, en parlant de slows. Ouais. Puis vous avez promis à mini des shows acoustiques. Ah, écoute, ouais, je peux faire un type. Hein. Alors la tradition fait qu'on annonce ensemble le mini-show acoustique et on dit « Mini-show acoustique hein? ». Je l'ai dit avec ton accent. Ah ouais, bah ouais, et j'ai essayé de faire l'accent corse. À trois toujours. Un, deux, trois. Mini-show acoustique. Et vas-y, là. Hey, Fernando, tu vois, là, je t'ai appelé. T'étais à la plage, j'étais pas arrivé. Hein. Ah bah, j'y suis. Bon, c'est bien que tu m'appelles pour le show acoustique. Et Pierre, tu nous chantes un titre de où? De qui? De qui? Ah. Ah, sans déconner. Okay. Comment s'appelle ce type? Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes, c'est où? C'est parti! No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they're all as empty as my. Shout through, but my dreams they're all as empty as my culture seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. To be the sandman behind blue eyes. Yeah! Et super morceau! Merci, merci beaucoup Pierre! Super content! Merci à vous! C'est vraiment très cool! Merci à vous! Eh hey, Pierre! Ouais? Je file à la plage! Tu nous rejoins? D'accord, ouais! Même grossesse! Allez, ciao! Cool! Super.
super titre, hein. Ah, cool, ouais. C'était Behind Blue Eyes de qui? De où? De qui? De où? De qui? De qui? Ah ouais, ça, c'est Fernando qui m'a dit de la placer, celle-là. Peut-être, moi j'aime plus, toi. Bah c'est écoute, ça, c'est le boss Fernando, je fais ce qu'il veut, moi. Bon, enfin, ouais, dis donc, 5 questions pour toi, Pierre. Oh là là. T'es prêt? C'est Julien Lepers, non? Ouais, un petit peu ça. J'ai pas de buzzer, mais tu réponds vite, on y va? Non. Allez, on y va. T'es prêt? Ouais, vas-y. Maiden ou Rammstein? Maiden. Pourquoi? Parce que je préfère. D'accord, super. Et jean ou cuir? Cuir. Cuir noir. Cuir noir, ouais. Mais t'as vu un peu ce que je porte? Ah ouais, mon pote perfecto. La classe. Donc cuir. Ah ouais. Et Broadway ou LA? LA. Ah, pas Broadway. Je pensais Broadway, moi. Ouais. Non, LA. LA. Ok. Et Broadchio ou Camembert? Oh, Brocho. Ah, Brocho, t'as vu un peu? Je peux pas dire le contraire. Bah, c'est normal, hein, s'il y a des corses qui regardent, faut faire gaffe. Hein. Ah. Et dis donc, dernière question. Ouais. Jack Daniels ou Liqueur de Mire? Oh, Jack Daniels. Jack Daniels. Ça fait rock'n'roll. Ah, ça fait rock'n'roll, d'accord. Faut rester dans les clichés. Ok. Donc, Brocho, Jack Daniels, Blouser en cuir, LA, et puis Maiden. Ouais. 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 Ok. Maiden avec Paul Di'Anno. Avec Paul Di'Anno, et ouais, rapport à la voix, parce que je vois bien que le mec il envoyait quand même pas mal la caca, ouais. Autre chose. Ouais. Voilà. Et dis donc, Pierre, ouais. Tu ne trouves pas que je ressemble à Richard Cochon? Mais justement, quand tu es arrivé, je me suis dit, mais c'est le sosie. Un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup je t'aime. Ouais, ouais, et voilà. Parce que tu vois, Fernando il m'a dit, tu avais joué dans les comédies musicales. Et en ce moment, je cherche un peu un boulot, tu vois. Alors, si tu pouvais me brancher avec Cochon. Ah ouais. Tu peux. Attends, une seconde. Hein. Ouais, ouais, Richard, ouais, il faudrait que tu prennes notre ami là pour. Voilà. Ok, c'est bon. Bah, qu'est-ce qu'il a dit? Il te prend pour la nouvelle comédie musicale. Tu veux le rôle de Frankenstein. Non, il était une école, hein, t'as peur. J'ai une super voix, moi. J'ai attrapé les gouttes. Ouais, ton amour. Bon bah ça c'est cool, toi t'es un copain. Parce que les autres groupes devaient m'emmener en tournée ou prêter des guitares, mais jamais. Ouais. Bon bah ça c'est cool. Ah ouais, non, moi tu... Eh, tout à l'heure t'as donné une super information sur le site internet, tu peux nous la redonner? Le site internet, ouais. Ou Superfizz. Superfizz, t'as dit non. .fr, en fait c'est superfizz.com. En fait, je me suis tombé. Ah. J'étais intimidé en fait. Ah t'as vu, je suis là pour rattraper le coup. Superfizz.com, ouais. Voilà. Bon, eh, bah, Pierre. On va se quitter, c'est bientôt la fin du show. Eh oui, hein. Ça a été? Ah, très bien, franchement, ouais. C'était très agréable. Ouais, tu veux nous dire un petit mot encore sur. Non, je. Moi, j'avais préparé une version de Le Long des Villes en Corse. Ah ouais? Le logo de la Chita. le logo. Pas mal? Vas-y, bouge un peu les jeux là comme ça. Et ça, c'est pour Cochon, tu vois, tu es déchiré dans la comédie. Tu veux essayer mes lunettes? Vas-y. Ouais, c'est cool. Et alors, Rockstar ou Barbara? Génial, mais c'est ça qu'il faut. Ouais. C'est ça qu'il te faut en fait. Ouais. On va se quitter là-dessus. Salut les gars, à bientôt pour le prochain Fernando Rock Show. Superfizz, Pierre Benvenuti, gros album, des concerts à la rentrée. Et puis, bah voilà, on se fait la bise. Allez, salut Pierre. À bientôt. Hein. Et moi, je suis dans la plage, tu viens? Encore, mais ils vont tous à la plage, ouais, là, hein, mais c'est fou. Ouais, j'arrive, ouais. J'arrive. Hey, salut Pierre. Hey, salut. Ça va, hey? Ouais. Tu m'imites? Eh non, pas du tout. Eh, je pensais que t'avais plus une grosse voix que moi. Ah, mais ben non. On a un peu la même voix, on est des vrais mecs. Ah non, c'est toi le vrai. Ouais. Eh, dis donc. Oui. Quoi de neuf avec les indépendantistes du Hard Rock? Quoi de neuf? Des projets pour 2012-2013. Bon, écoute, avec le groupe, ouais. Oui, on essaie de faire toujours des nouvelles chansons. Ça compose. Qu'on intègre dans les spectacles qu'on fait. Ouais. Et pourquoi pas un jour faire un deuxième disque si l'envie nous en prend. Ouais, vous avez du stock, quoi. Voilà, et puis de tous les membres de Superfizz qui ont pas mal de projets. J'ai vu, je suis un petit peu l'actualité du rock. Ouais. Parce que pour moi, tu sais, le rock, c'est sacré. C'est la qualité. Ouais. Le rock.
Et ouais, donc les mecs, ils ont du boulot, des nouveaux titres bientôt. Vous jouez des nouveaux titres en live. Voilà, on intègre petit à petit des nouvelles chansons par rapport à notre premier album. Et voilà, peut-être si un jour on fait un... On a la possibilité de faire un deuxième album, on le fera. Bah ça c'est une bonne nouvelle. Nouvel album des Superfices, les gars. Pour rester au courant de l'actualité. Une tournée en Sardaigne. Non, en Corse. Non. Je déconne. J'ai vu qu'il y avait les dates en France. Ouais ça c'est cool. Ouais, c'est bien, tu restes à l'écoute. Et bon, une question un petit peu qui dérange, parce que là on est dans les questions qui dérangent. Tu peux me donner 3-4 groupes que tu détestes un petit peu? Balance, on s'en fout entre nous. Johnny. Ça c'est bon. C'est vous, hein, parce que pour moi, le respect, Johnny, c'est sacré. Je vais pas. Non, on tape pas sur les copains. Non, voilà. Non. Okay. Perdu, je déteste personne. Moi j'ai toujours dit, toi t'es un mec bien. Quand je t'ai vu arriver, tous les mecs sont à la plage en train de braguer les meufs. Et Pierre, il est là avec nous dans le Fernand de Rock Show. Il y a pas beaucoup de meufs d'ailleurs ici. Elles sont toutes à la plage. Ouais. Sinon, dis donc Pierre, dernier CD acheté. Ouh. Ouais, t'achètes un peu quand même, tu télécharges pas. Non, je télécharge pas, mais j'achète pas non plus. T'achètes pas Non, j'ai tout en fait. Dernier disque écouté, alors, le dernier que t'as écouté. Dans la bagnole écouté, ou... Dors. Non, attends, vous, qu'est-ce que je... Kiss. Autorel. CDC. Hyperbol. Putain, c'est... Rainbow. Je m'en rappelle plus, j'écoute tellement de trucs. C'est pas grave. Peut-être c'est des musiques de films, tiens. Soundtracks, vas-y. Ouais, soundtrack de New Morricone. Ah, Morricone, j'adore. Morricone. Ça rappelle le pays. Morricone. Ouais, ça j'aime bien ça. Bon, cool. Ouais. Bon, Pierre, on va se quitter là-dessus. On se voit bientôt dans les concerts. Ouais. Tu sais que nous on prend le ferry dans quelques heures pour partir en vacances. Ça c'est bien. Parce que pour nous les vacances, tu sais, c'est sacré. Sacré. Ciao. Ciao. À bientôt. Très bientôt. Et puis, on se voit sur les dates de Tokyo. Allez, ciao les copains, moi je file à la plage parce que, à mon avis. Tout le monde à la plage. Ah ouais, il y a plus grand chose à la plage. Allez, ciao Pierre, à bientôt. Mais c'est seul toi. Ouais, à bientôt les gars. Ciao.